Le cheval, con ngựa. Ngọ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Melissa, kênh chia sẻ về cuộc sống Pháp, kênh chia sẻ về văn hóa Pháp. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nói 12 con giáp trong tiếng Pháp và cũng như trong tiếng Việt. Nếu như bạn nào muốn học tiếng Pháp thì hãy học theo tiếng Pháp, và nếu như các bạn người Pháp nào muốn học tiếng Việt thì hãy học theo tiếng Việt. Nào, chúng ta bắt đầu nha. Bonjour les Français. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment parler, à prononcer quelques mots, surtout 12 animaux qui représentent les 12 signes astrologiques dans la culture asiatique. Dans cette vidéo, vous allez entendre le vietnamien et le français parce que je vais partager les deux langues pour les amis français ou bien pour les amis vietnamiens. Commençons par le premier animal, c'est le roc ou bien le souris. Roc ou le souris. En vietnamien, con chuột. Con chuột. En sino-vietnamien, tí. Tí. Le deuxième animal, c'est le bœuf. Le bœuf. En vietnamien, con trâu. Con trâu. Con trâu. En sino-vietnamien, sửu. Sửu. Le troisième animal, c'est le tigre. Tigre. Le tigre. En vietnamien, con hổ hoặc là con cò. Et en sino-vietnamien, dần. 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 Le quatrième animal, le chat ou bien le lapin selon le chinois. Le chat. Le chat. En vietnamien, con mèo, con mèo, con mèo. Et en sino-vietnamien, mèo, mèo, mèo. L'année du chat, năm mèo, năm mèo, năm mèo. En cinquième, le dragon. Le dragon. Le dragon. En vietnamien, con rắn. Con rắn. Con rắn. En sino-vietnamien, thình. 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 Le sixième animal, le serpent. Le serpent. Le serpent. Con rắn. Le serpent. Con rắn. Le serpent. Con rắn. En sino-vietnamien, tỷ. 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 Le septième. Le cheval. Le cheval. Con ngựa. Le cheval. Con ngựa. Le cheval, con ngựa. En sino-vietnamien, ngọ. Le cheval, con ngựa. Ngọ. Le huitième, le chèvre. Le chèvre, con dê. Le chèvre, con dê. Le chèvre, con dê. En sino-vietnamien, mùi. 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 Le chèvre. Con dê. Mùi. En neuvième, le singe. Con khỉ.
con khỉ. Le singe, con khỉ. En sino-vietnamien, thon, thon, thon. Le singe, con khỉ, thon. Numéro 10. Le coq, con gà. Le coq, con gà. Le coq, con gà. En sino-vietnamien, dậu, dậu, dậu. Le coq, con gà, dậu. En onzième, le chien, con chó, con chó. Le chien, con chó. Le chien, con chó. En sino-vietnamien, tuk, tuk, tuk. Le chien, con chó, tuk. En dernier, le cochon, con heo, hoặc là con lợn. Le cochon, con heo, con lợn. Le cochon, con lợn. Et en sino-vietnamien, hợi, hợi, hợi. Le cochon, con lợn. Hợi. Le cochon, con heo. Hợi. Voilà les 12 animaux qui représentent les 12 signes, les 12 années dans le calendrier lunaire asiatique. Cette année, on va fêter en 2021 l'année du buffle. L'année du buffle. Nam Tân Sửu. Nam Tân Sửu, l'année du buffle. Nam Tân Sửu. Je vous souhaite une très bonne année. Je vous souhaite une très bonne année du buffle. Très bonne santé. Chúc mừng năm mới. Mừng xuân Tân Sửu. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Très bientôt dans un prochain vidéo. Je vous souhaite une très bonne année et à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques connaissances. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner un like. Abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như các bạn có điều gì không hiểu thì các bạn cứ bình luận thêm cho mình. Nếu như các bạn muốn mình nói về một đề tài nào, nếu như các bạn có những câu hỏi cũng đừng ngại comment, bình luận và đăng ký vào kênh của mình. Xin hẹn gặp lại. Chào tạm biệt.